Bon, et puis bon, bah allez, puisque mon ami a fait une requête, c'est lui qui a fait la requête de sa vidéo, je vais faire encore une seconde fois mode histoire, mais cette fois-ci, je vais prendre Kazumi. Kazumi, des fois, je soupçonne que je joue un peu mieux avec elle, mais autant être honnête, elle est bien plus facile à jouer qu'Ayane, puisque Ayane, le niveau combo, c'est très dur à placer. Enfin, surtout dans les premiers doigts, parce que dans les tout derniers doigts, ça va, hein, ça passe un peu mieux ces combos. J'ai pas envie de regarder tous les costumes, il n'y a que celui-là qui me plaît vraiment en fait. T'as même pas flagrant le mouvement des boobs, quoi. Allez, c'est parti, premier combat. Il n'y a pas beaucoup de place ici pour que je fasse. Oh, il est facile à contrer ce coup. Ça marche à chaque fois. Zach a un ordi. Enfin, l'ordi de Zach est facile à contrer, je sais pas. Il est tellement prévisible, Zach. Ouais, bah lui aussi, hein. Ouais, voilà, tu vois, 3 coups en un round, vas-y, tu vois. C'est vraiment facile à contrer, Zach. Non, c'est pas Kazumi qui a mangé des tic-tacs, en fait, c'est son clone maléfique, Kazumi Alpha, voilà. Voilà, imposteur. Non, je te troll. Je suis tellement classe que... Oh putain, excusez-moi. Je suis tellement classe qu'on a, on a vraiment fait de moi un perso dans Dead or Alive Dimension. Avec ma propre personnalité. Oh putain, j'aime pas quand on... J'essaie de faire des chops et que ça passe pas. Putain, mais qu'est-ce que j'ai horreur de ça. Je sais que Kaz doit se... Enfin, mon pote du net doit se sentir insulté que je joue Kazumi de cette manière. Parce qu'il est tellement fort avec elle. Alors que moi, regardez-moi ça. Je sais rien faire avec elle. Viens prendre ta baffe. T'as pas fait mon sandwich, femme! Ouais, ça c'est Kazumi tout craché. Je veux pas me battre! Je suis dans un jeu de combat, mais je veux pas me battre! Ah, quelle classe ce perso! Vraiment! Ryo Hayabusa, c'est vraiment un de mes persos préférés. Dans ce jeu-là, il est vraiment génial. Mais je ne sais vraiment pas le jouer, sinon j'aurais sans doute fait une vidéo avec lui. Et là, je vais me faire ratatiner parce qu'il est vraiment dur à Yabuza à battre. Surtout s'il me fait ses Izuna. Pour l'instant, il m'en a toujours pas fait. Ni avec la vidéo avec Ayane, tant mieux. Si je pouvais le balancer, ce serait bien. Ouais, là, c'est magnifique. Oh merde. Oh, ça c'était mesquin. Regardez la vie, comment elle est partie. Hop là. Tiens, regarde, je te troll tellement, je te provoque, que je... Regarde, ma provoque tellement classe, où j'ai des pétales de cérésier autour de moi. Parce que je suis l'héroïne, je peux pas te provoquer en te faisant un fuck. Non, pas encore Tina, non. Ah oui, parce que chaque perso a son thème, donc du coup, quand t'entends la musique, bah tu reconnais, quoi. Bon, je vais te faire la même raclée qu'avec Ayane, si possible. Ah oui, alors quand les adversaires en very hard, enfin très difficile, quand les adversaires font des chops ou des contres, enfin des enchaînements de, voilà, tu peux t'échapper en faisant le bouton A, et ça marche clairement pas, ça qu'on sait, l'ordi qui fait en très difficile, et je me suis fait massacrer. Elle me fait marrer cette personne. Quand je dis... Non, en fait, je l'ai pas dit. Oh putain, elle a raclé. Ah ouais, je peux pas m'échapper. Je dis qu'au moment où je sais qu'elle m'a fait ça, je sais déjà que je suis mort. Ah non, mais j'ai même pas eu le temps de me protéger après avoir fait mon salto. Lesbienne! Non, laisse-moi m'échapper, je veux pas faire un tour sur ton vélo. Oh putain. J'adore cette chose. Non, putain, laisse-moi tranquille.
elle va me tuer, elle va me tuer. Ah, oh, elle savait qu'elle allait me tuer. Ah non, mais là, je vais rien, je vais vraiment te buter. Eh non, je peux pas m'échapper, putain. Comment ça, mais putain, mais... Ah, oh, ça commence à bien faire. Ah non, j'ai, tu vois, au moment... Alors, vraiment, l'ordi, dans toute sa splendeur, en very hard, qui te prédit tous tes mouvements, allez hop, je m'apprêtais à faire un contre et elle me fait une chope. Direct, à la seconde près où j'ai fait le contre, elle a fait sa chope. Je pouvais vraiment rien faire là. Putain, regarde, regarde, au moment où je vais faire mon coup, c'est injuste quoi. Là, ça va durer encore longtemps, je le sens. Regarde, je peux rien faire! Je sais, je me suis moqué de toi dans Yu-Gi-Oh! J'ai buté, j'ai battu en duel, t'as. Ton alter ego brune Tiana, mais enfin, mais quand même, ne me bute pas comme ça, quoi! Putain! Oh, je te déteste! Non, mais là, elle est en train de cracher toute sa haine contre moi, là, sérieux! Putain, mais elle est vraiment horrible! Putain, j'arrive pas, je perds les pédales, là! Oh, t'as pas voulu depuis le temps, celle-là, putain! Non, elle veut pas me lâcher. Non mais sérieux. Oh putain, il était temps. Regarde, je te troll avec mes fleurs de cerisier là. Epic theme for epic battle. Ah oui, ma musique préférée de ce jeu, forcément. D'ailleurs, ma musique préférée de tout DOA. Et si je faisais semblant de perdre au moins un match. Au moins un. Non, allez, je vais jouer normal. Non mais fais pas des mouvements en l'air, Yanné, ça sert à rien. Et le final, allez, j'ai déjà gagné, putain. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux battre la Nukenin? Oh, traîtresse. Traîtresse. Tu veux que je te dise? Screw the ninja rules, I have my Nissan. Voilà le Nissan. Parce que je suis fan de toi. Putain, le Falcon Punch Dying, il fait mal quand même. Oui, pour ceux qui ont reconnu, c'est le terrain du boss. Ça. Le Miyama, pour être précis. Oh, t'es cruel. Pourquoi t'es tellement cruel avec tes sœurs, espèce d'enfoiré. Non. Non, putain. J'étais presque. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de combat. Oh putain, elle est classe le compagnon. Pouah l'enfoiré. Pouah l'enfoiré. Il m'a juste fait très mal là. Et encore, je me plains de la difficulté de ce jeu, mais alors il y a pire hein, dans DO1, il y a vraiment pire. Ça, c'est, ça va encore. Hein. La difficulté normale de DO1 1, ou même de celle de DO1 4, elle est bien pire. Hein. Enfin, quoique, non, j'exagère quand je dis la difficulté normale de DO1 4, mais DO1 5 aussi, c'est assez chaud. Mais celui-là, ça va encore. Hein. C'est juste que je sais juste pas jouer, quoi. En plus, je suis en train de spammer les comptes pour rien, alors ça sert à rien. Mais lui, ça marche direct. Hein. Putain, j'ai même pas eu le temps de... Et il va me tuer quoi. Arrête de demander pourquoi et bats-toi putain. Putain, j'ai rien le temps de faire, ça m'énerve. Oh, fais chier, va te faire foutre.
Ouais, ça a marché. Qu'est-ce que je fais? Je l'embrasse ou pas? Non, il y a sans doute quelqu'un qui me regarde. Allons mon enfant, tu n'as pas été sage, tu as frité ton grand frère, moi petit papa Noël japonais, je vais t'offrir un cadeau, des tic-tac empoisonnés à la menthe, à la pêche, à la poire, à la pomme. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. J'arrête avec le délire du Père Noël. Et on va essayer de battre à nouveau Tengu du premier coup, si possible. Mais je pense que je vais pas y arriver. Ouais, bah, il y en a qui compte plus que ça d'habitude. Le moment. J'aime bien quand il fait ça, ça sert strictement à rien, à part que ça soit joli. À part ça, il laisse une super ouverture. Oh merde. Oh, fais chier que t'es con, putain d'enfoiré! Et voilà, encore gagné le premier coup. Tu crains, Tengu! Non, mais c'est marrant parce que la plupart des gens se plaignent de la difficulté d'un boss final, mais en fait, tu l'affrontes tellement que ça en devient prévisible. Vraiment. Du coup, Tengu, j'ai pas trop de mal contre lui. C'est marrant ça. Bon, sinon, ben voilà, j'ai fait ma vidéo comme on me l'a demandé. Je vais pouvoir me reposer tranquillement. Si je dois retester un jeu DOA, bah en fait je parlerai surtout du fanservice qui a complètement englouti cette série. Bon, certains me diront que le fanservice est déjà présent, vous avez bien vu quand j'ai affronté Elena avec Ayane, le mouvement des boobs, ou même quand j'ai choisi Kazumi, pareil, c'est vraiment exagéré. Dites-vous que ça encore, c'est un jeu bien soft, hein, parce que DO1, c'était complètement des mouvements de boobs pixelisés, c'était vraiment nul à chier. D'ailleurs, c'est mon DOA que j'aime le moins. Mais sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, mais j'en reparlerai surtout si je teste les autres DOA. Mais vraiment, quand j'étais gosse, et que, enfin 11-12 ans, et que je jouais à DOA 2, franchement, le fin de série, je faisais pas gaffe. Il y a juste Tina qui était, voilà, qui était, comme elle était pas bien fringuée, ben, du coup, je pouvais pas jouer tranquillement sans que mes parents me disent « Oh, il joue à un jeu de combat avec des filles à poil !» Mais sinon, pourtant, quand tu regardes, franchement, les... Le fanservice n'était pas tellement présent des DOA 2. Je trouve que tout le charme de la série était dans ce jeu. Et plus ça avance, moins j'ai cette impression. Je sais pas, il y a des choses. Il faudrait que je rejoue au dernier DOA pour recomprendre un coup qu'est-ce qui me plaît moins dans cette série. Mais en tout cas, vous venez de me voir jouer à mon DOA préféré. J'espère que la vidéo, évidemment, vous a plu. Et donc, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos requêtes pour d'autres jeux que je peux tester. Même si je fail, c'est pas grave, ça me fait toujours plaisir. Et puis ensuite, et ben voilà. Et puis je pense qu'un jour je testerai, enfin je ferai aussi en vidéo les autres DOA, si possible. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à la prochaine.